Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bah là c'est Gémico. Bah là je vais vous faire un petit gameplay de Red Dead Redemption. Donc la bêta de Red Dead Redemption online. Donc là je viens de commencer la bêta. Donc ils me disent de choisir un personnage. Donc j'ai le choix entre une fille et un garçon. Bah je vais choisir le garçon. Donc je Okay, sélectionne. you head through there. I'm gonna need your details. Donc tu peux lui donner un nom, l'apparence que tu veux, sifflement, attribut. Bah, je vais déjà lui donner un nom. You are going here. Donc là You je lui ain't donne le nom leaving de ma us chaîne plus anytime soon. 25. Donc alors, apparence. We're gonna need a fair record of you. Donc tu peux choisir plusieurs visages. Tell me everything except that you're innocent. I'd find that hard to Il y a believe. de tout comme visage. Donc ça c'est la couleur de peau ça. Donc il n'y a que trois couleurs de peau. Quite a record we'll have on you. Donc après on peut choisir son âge. Je vais mettre 22 ans. You're lucky you were Carrure, caught, you maigre. know. The way the town feels about what Les happened, yeux you were likely to rapprochés. be shot. It's a process, all right, but a necessary one. Je vais mettre le nez neutre. La bouche. How you doing with that? Je vais mettre neutre aussi. Okay then. Wow, il a de ses dents. Ouais, je vais mettre ça. Alors, cheveux. Je vais mettre ça comme coupe. Couleur. Moi, je vais mettre cette couleur. Ouais, je vais mettre ça. Donc là, style de vie. Donc là, on peut choisir le teint. Tache de rousseur. Ouah, c'est pas beau. Grain de beauté. Non, c'est pas bon. Donc voilà, c'est bon. Donc là, sifflement.
Attribut, santé. Donc voilà, c'est bon. Okay, let's get a photograph. Hold up your fingers. Donc là, accepter, faut appuyer croix. Voilà. Traitement de la photo en cours. Officer Jackson, move those prisoners. Donc là, je vous laisse Officer lire Benton, kitchen's a staff. Pour bien comprendre l'histoire. Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving. What are you looking at? Go on, get moving. You with the hammer. And you'll do. We need to perform a work detail out in Rhodes. Come on, get in. Open the gate. Come on, Milliken. Yeah! Donc là, c'est la bêta, je peux y jouer aujourd'hui parce que j'ai joué au jeu le premier jour de sa sortie. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now, shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken. Throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Donc là, j'étais prisonnier, ils viennent de me récupérer en fait. Donc suivez les inconnus. Then you better get on this horse. Suivez l'inconnu. Not much of an animal, but they haven't got far to ride. Must be odd being out of those leg irons. Get on Donc the là, horse. Pour monter sur le cheval, c'est triangle. Ready? Wonderful. I hope you'll forgive the secrecy. My employer, particularly. Mais le jeu, il est vraiment magnifique. C'est vraiment un truc de fou. Moi, je joue avec un écran 4K, donc la qualité graphique elle est vraiment extraordinaire. Made a mockery of the rule of law. Still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were.
came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Come on. Donc là, faut appuyer triangle quand on est près du poteau. Voilà. This way. She's anxious to meet you. Madam, we're back. Hello. Jessica, the clerk, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of three men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Donc là, explorer les options de la garde-robe. Alors, chapeau. Alors, casquette plate usée. Il y a chapeau occidental. Chapeau d'ouvrier de plantation. Ah, je le préfère sans. Manteau. Cache-poussière. Ouais, je vais rajouter ça. On peut choisir la couleur. Ah, je vais choisir marron. Le gilet. Alors, gilet traditionnel. Ouais, je vais rajouter ça. En cette couleur. Donc là il y a chemise. Ah non, c'est bon ça. Bretelles. Donc là je vais mettre sans bretelles. C'est plus beau. Équipement pour armes. Bah là on a rien, on peut pas. Alors. Ah, j'ai pas vu gants. Donc ouais, je vais mettre des gants. Ah, pantalon. Donc je vais mettre pantalon fluide. Ouais, je vais le laisser comme ça. Salopette. Ah, c'est pas beau. Donc je peux lui mettre des bottes. Ah, je vais mettre ça.
That looks more comfortable. Hawley? Here, madam. Your very good health. I suppose it beats dying, hmm? Mrs. LeClerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. See, you walked into the town at the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are. The people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts. Oh, les petits bugs, les crook, doigts qui traversent les cartes. My former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother. C'est marrant. Outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. LeClerc would like to help you get back on your feet. Get back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think he'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps, get up! Hello, partner. Hawley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. LeClerc is a generous benefactor. And, where are we headed? Alors, appuyez sur la flèche de gauche pour accéder au menu joueur. Alors, sélectionnez camp. Sélectionner définir le lieu du camp. Donc là, petit camp. Boyouna. Oh, sir. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk. Then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Donc là, je dois monter sur le cheval. Donc là, je dois aller au bureau de poste de Rod. Donc j'y vais. C'est parti. Moi, je trouve que le cheval, il va quand même pas mal vite. Ça, c'est cool. Et c'est vraiment réaliste, quoi. Le jeu, il est hyper réaliste. C'est ouf, quand même. Tout le travail qui a été fait. Oula. Il est fâché, hein.
Donc là, je vais arriver chez Rod. Là, je pose mon cheval là. Hop. Donc là, faut que j'aille voir l'employé de la poste. Donc là, j'y vais. Ah voilà. Donc là, j'ai appuyé carré pour le saluer. You must be a Harley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden. That's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up at Blue Water Marsh. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Donc là, faut que j'aille à Bayouna. Bah, c'est parti, on va y aller. On va s'y rendre. Donc là, j'appelle mon cheval. Il s'appelle Vieille Carne. C'est marrant. Ils ont donné un bon nom, quoi. C'est rigolo. Puis la carte, elle est vraiment immense. Ça, c'est cool. Pouvoir aller partout, se balader, voir plein de décors différents. Voir plein d'animaux différents. C'est ouf. Et je trouve ça cool de pouvoir personnaliser son personnage. C'est un peu comme dans GTA V, quand tu commences le mode en ligne. Et ben, tu peux personnaliser ton personnage, tu peux le mettre comme tu veux. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. C'est cool de l'avoir refait dans Red Dead Redemption. Là, je regardais ce que j'avais dans mon inventaire. Donc là, faut aller à droite. Chercher le repère. Je sais pas, je vais me diriger là-bas puis je verrai. Donc là, je suis à côté du repère. Donc là, faut que j'élimine des hors-la-loi. Donc pour viser, c'est comme dans GTA. Hein. Voilà. Donc là, faut que je fouille le repère. Donc je vais déjà fouiller les corps déjà.
parce qu'il y a énormément de trucs à récupérer dans les corps. C'est souvent des balles, des remèdes, des trucs vraiment bien qui servent. Oh, y'a un gars. Mais lui, c'est pas un ennemi. Don't kill me, please. Il m'a donné une carte. Donc là, j'ouvre la carte. Oh, c'est super bien fait en tout cas. Wow. Ok. Wow, la map elle est gigantesque. Wow. Et c'est hyper bien détaillé quoi. Vraiment. C'est magnifique. Donc là, je continue à fouiller les corps. Ah, je peux mettre cette vue aussi. Elle est hyper bien cette vue. Là, ils me disent d'aller à une zone là-bas. Bah, je vais y aller. Donc là j'ai appelé mon cheval Vieille Carne. Donc là je me rends en point jaune sur la carte. Donc au coffre, c'est un coffre, c'est un trésor je pense. On va aller voir ça. Il y a tellement de détails dans le jeu. C'est fou. Ils ont vraiment fait du bon contenu, Rockstar Games. Ça valait le coup d'attendre aussi longtemps pour Red Dead Redemption 2. Fouiller la zone du trésor. Donc fouiller le coffre. Alliance en or, boucle d'oreille, collier. Ah c'est cool. Ça va me faire de l'argent tout ça. Donc là ils disent l'argent permet d'acheter de nombreux produits. Donc là faire L1 triangle. Donc ensemble de compétences. Donc là j'ai une carte de sang-froid. Cet effet sont activés quand vous êtes en mode sang-froid. D'accord. Alors, dans le collimateur 1, en mode sang-froid, vous pouvez marquer vos ennemis avec des cibles, tirer pour toucher tous les ennemis ainsi désignés. Chaque tir consomme du sang-froid. Ok. Donc là, il y a instant de récupération 1. En mode sang-froid, votre santé de
régénère lentement. Votre santé se régénère lentement. Si vous subissez des dégâts, vous quitterez le mode sang-froid. Ok. Et là, il y a tir concentré 1. En mode sang-froid, vous et les membres de votre équipe infligent un peu plus de dégâts. Si plus d'un membre de votre groupe a activé cette compétence, les effets ne se cumulent pas. D'accord. Donc là, je vais prendre la première carte. Hein. Récupérer. Ah, mais en fait, je peux... Ah, bah non. Ok. Donc voilà. Puis pour l'améliorer, après, il faut attendre d'avoir de l'XP, en fait. Ah, c'est cool. Donc, retrouver Clay Davy. Bah, allez, c'est parti. On va les retrouver. Vous verrez la suite dans les prochains épisodes. Merci à tous ceux qui regardent ma vidéo. Et abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bah, à la prochaine, les amis. Bye.